9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, je sais compter jusqu'à 10, ça c'est fait. Salut les crevettes, ces chiffres qu'on utilise tous les jours pour compter, 1, 2, 3, 4, machin chose, s'appellent des chiffres arabes. Pour les différencier des chiffres romains qui ont été inventés durant la Rome antique. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les chiffres arabes, eux, ils n'ont pas été inventés par les Arabes, mais par les Indiens. Oui, nos chiffres actuels tirent leurs origines de l'Inde. 3 siècles avant Jésus-Christ. D'ailleurs, en arabe, on n'appelle pas ça des chiffres arabes, mais des chiffres indiens. Alors, pour vous expliquer, de ce temps-là, les Arabes étaient déjà de grands mathématiciens et voyageurs. Al-salam alaikum. Et alors que l'islam se propageait en dehors du Moyen-Orient, les marchands arabes arrivèrent en Inde. Ils y découvrirent la très ingénieuse notation des Indiens avec leurs chiffres de 0 à 9 et ils l'adoptèrent immédiatement, tellement elle était pratique quoi. Et petit à petit, les Arabes qui commerçaient avec les Européens leur transmirent à leur tour les chiffres indiens. Mais vous savez, tout ça, c'est bien beau. Non, c'est laid comme ta face. Mais compter en base de 10 comme on le fait, c'est-à-dire de 1 à 9, avant d'ajouter des dizaines et patati et patata, ça n'est pas la seule façon de faire. Base 20. Par exemple, les Mayas, les Aztèques et même les Celtes comptaient en base de 20. Ils utilisaient pour ça leurs 10 doigts de main, mais aussi leurs 10 doigts de pied. Ce qui faisait donc 20, oui, le compte est bon. Ainsi, 40 était prononcé 2-20, 60, 3-20, 80, 80. Oh. Ah, vous avez remarqué que chez nous, 80 continue à se prononcer 4 fois 20. C'est un vestige de la façon de compter de nos ancêtres les Celtes. Base 60. La toute première civilisation, les Sumériens, c'était il y a 6000 ans. Ça en fait du temps qui passe. Comptez quant à eux en base 60. Les mecs, complètement pétés, hein. Ils étaient fêlés là-haut. Base 12. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la base de 12, avec laquelle on peut compter. C'est encore en partie le cas dans pas mal de pays d'Orient. Alors, compter de 12 en 12, ça peut paraître con au premier abord, parce qu'on a 10 doigts. Mais en regardant mieux, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est très ingénieux. En retournant votre main, vous voyez que vous avez 12 phalanges. Et votre pouce peut alors servir de pointeur. Pas mal de scientifiques militent d'ailleurs très sérieusement pour remplacer la base de 10 en base de 12. Selon eux, et je les rejoins, la base de 12 serait plus facile à utiliser. Base 2. Et pour finir, il y a aussi la base de 2, toute rikiki, qui est utilisée quant à elle par toutes les machines du monde entier. C'est ce qu'on appelle le système binaire. Bi comme 2. Enfin voilà, ça en est terminé pour cette petite introduction. Petite, mon cul, oui, c'est du poulet. Mais elle est petite, foutez-moi la paix. Et voyons maintenant le secret que renferment nos chiffres. Vous êtes fous déjà demandé pourquoi le 0, le 1, le 2 et compagnie avaient cette forme-là et pas une autre. On s'en branle, va crever. Putain de bordel de merde. Bon allez, on va dire que oui, hein, quand même. Que diriez-vous d'expliquer l'évolution de la vie simplement avec nos chiffres? Je me suis inspiré en partie des travaux de l'écrivain Bernard Werber. Ça c'est de la bonne. Alors il faut avoir un peu d'imagination et l'esprit un peu ouvert. Alors déjà, pour tout expliquer, retenez seulement 4 choses. Oui, 4. À chaque fois que vous verrez une courbe dans un chiffre, comme ça, ça, ça ou ça, ça représente l'attraction ou l'attirance, c'est pareil. Quand vous voyez une barre horizontale dans un chiffre, ça symbolise l'attachement. La partie inférieure représente la terre et la partie supérieure représente le ciel. À partir de là, voyons le sens de chacun de nos chiffres. Le 0, le stade nul. Regardez, c'est une courbe pure, donc juste de l'attraction. Mais comme le 0 est une courbe sur elle-même, un rond infini, le 0 n'aime que lui. Autant dire qu'il n'aime rien et qu'il n'est attaché à rien. Ça représente dans l'évolution le stade 0, c'est le cas de le dire. On peut aussi voir ça comme l'œuf cosmique, celui qui contient tout ce qui a donné naissance à l'univers, comme l'écrivent d'ailleurs de nombreux textes anciens. Le 1, le stade minéral. Si on le dessine avec une barre en bas, ça veut dire que le 1 est attaché. Il est attaché à la terre. Il n'a aucune courbe, rien ne l'attire. Comme les cailloux, les rochers, tout ce qui est inanimé quoi. Ça vient de la terre et ça se branle du reste. Le 2, le stade végétal.
on a une barre en bas pour montrer que les végétaux, arbres, plantes, etc. restent attachés à la terre nourricière, avec leurs racines et dont ils ne peuvent se détacher. Mais une courbe pointe vers le haut, donc ils sont attirés par le ciel dont il lui montre ses feuilles et ses fleurs pour recueillir sa lumière. Le 3, le stade animal. On a une courbe qui est attirée par le ciel et une courbe qui est attirée par la terre, mais aucun attachement ni pour l'un ni pour l'autre. L'animal peut se déplacer où il veut. Le 4, l'être humain primitif. On a juste une barre au centre, voulant dire qu'à ce stade, on n'aime ni la terre nourricière, ni le ciel pour son côté spirituel, puisqu'on exploite et on méprise les deux pour notre propre profit. Notre attachement est incertain, on aime le ciel, la terre, on ne sait pas. Ça symbolise en même temps notre liberté. L'être humain a le choix, grâce à son libre arbitre, entre redevenir un animal numéro 3, ou un être plus évolué numéro 5. Le 5, le stade humain évolué, c'est l'inverse du 2. Il est attaché au ciel, à sa spiritualité, et a réussi à dépasser sa nature animale. Mais il continue à être attiré par la planète, hein, qu'il continue à aimer, car il a conscience de ses bienfaits. Le 6, le stade ange. Bon, à partir du 6 et au-delà, on va faire des suppositions sur ce qui se passe après nous, après l'humain. Et donc, ça serait l'ange. Le 6 est une pure spirale, de l'attraction pure, de l'amour à l'état pur, quoi. Une courbe qui part de la planète et qui monte au ciel. Il continue à aider la Terre de là où il est pour l'aider à évoluer. Le 7, le stade divin. Une seule barre pour montrer que le divin n'est attaché qu'au ciel, sans aucune attirance pour la terre. Cela pourrait représenter des dieux qui nous observent en silence, sans jamais intervenir sur la destinée de la terre, laissant la vie inférieure utiliser son libre arbitre comme il le souhaite. Le 8, le stade cosmique. Au-delà des dieux, le 8 forme deux boucles qui n'ont ni début ni fin. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le 8 couché est symbole de l'infini. Ces deux boucles sont attirées par la terre et le ciel, mais contrairement au 3 qui lui aussi était attiré, le 8, lui, a un pouvoir créateur. C'est le créateur de la terre et du ciel. Le 9, le stade ultime. Le 9 a la forme d'un fœtus en gestation. Et ce sont en même temps les 9 mois de grossesse avant l'accouchement. C'est le symbole de la naissance. C'est en fait l'inverse du 6 de l'ange. Et au lieu de monter au ciel, le 9 s'apprête à redescendre sur terre. Mais pas sur notre terre à nous, non. Sur la terre d'une autre réalité. D'un nouvel univers plus grand, celui du 10. Et bien voilà, c'est terminé pour l'explication de la vie simplement avec les chiffres. En y mettant un peu d'imagination quand même, oui, il faut le reconnaître. Alors bisous, bye bye, au revoir, ciao, bye bye, au revoir, chito, bye bye, bye. Feeling down, white day and lightning, sludgy green walls, I'm just a soul, your name.